Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc ça sera une housse pour vos gourdes, vos bouteilles en plastique. Voilà, super pratique et super simple à faire et super pratique. Moi j'adore, très joli. Et voilà, le fond est comme ça. Moi j'adore. Donc moi j'ai mis mes bouteilles gourdes dedans. Mais vous pouvez aussi bien une bouteille en plastique ou d'autres gourdes de votre choix. Donc pratique pour aller faire un petit tour à la campagne, se balader, même en ville, aller au travail, voilà, au sport, n'importe. Ça vous évite d'avoir la gourde dans la main. Et la housse est super pratique. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite pour le tuto. Donc pour le tuto, il vous faudra une paire de ciseaux, un marqueur, pas obligatoire, ça dépend des gens, du fil. Alors ça, là, je l'ai fait 100% coton, donc voilà, et là je vais essayer avec 100% acrylique. Donc il vous faut un crochet de 4, hop, crochet de 4, hop, je sais pas s'il va zoomer, hop, et fil la couleur que vous voulez, hein. Moi j'ai pris du gris, tout à l'heure l'autre fois j'avais pris du blanc, donc celui-ci je l'avais trouvé chez Nose, mais voilà, 100% acrylique, enfin, ouais, 100% acrylique, importé, d'Espagne. Voilà. Donc ils disent aiguille 1 ou 2, moi je vais prendre du 4. C'est aussi gros que il est même plus gros que le coton, vous voyez. Donc voilà. Donc on est parti. Il faut que ça. Voilà. Allez, à tout de suite. Nous allons commencer par un cercle magique. Donc on prend le bout de son fil, on l'entoure, on fait un tour. On passe son crochet, on va chercher le fil, on le ramène, on croise. Et là, on va chercher une maille en l'air que on passe à travers. Voilà, notre cercle magique est fait. Dans ce cercle magique, on va faire une maille en l'air. Et après, on va faire 9 demi-brides dans le cercle magique. Donc, pour une demi-bride, vous passez votre fil, vous passez à travers, vous allez chercher votre fil, vous le ramenez, et là, vous avez 3 boucles. 1, 2 et 3. On prend notre fil et on passe à travers les 3. Hop là, voilà, une première demi-bride. On refait la même chose, on va chercher notre fil, on ramène et on passe à travers les 3. Ne serrez pas trop. 2. Huit et 9. Voilà, on tire un petit peu, on va tirer son fil où on a fait cercle magique pour rassembler tout. Voilà, donc voilà, nos 9 de brouette sont faites. Et maintenant on va faire notre maille coulée. Donc dans la première, donc faites comme moi, vous emmêlez pas les fils. Donc dans la première maille en l'air qu'on a faite tout à l'heure, pas la double bride, hein, elle est là, et la maille en l'air là. Donc là, on va faire notre maille coulée. Donc vous passez à travers, vous allez chercher votre fil, et vous passez directement à travers les 2. Voilà, on ferme le cercle. On retire un peu sur le fil, voilà, pour bien fermer. Donc voilà, maintenant on va faire une maille en l'air. Et on va faire 2 demi-brides dans chaque bride qu'on a fait tout à l'heure. Donc au total, il nous en faut 18. Alors on est parti. Donc vous prenez votre première demi-bride. Vous passez à travers. C'est pas facile, j'ai pas pris un coton facile. Hop. Et on va faire 2 demi-brides là-dedans. Donc la première et hop là,
et la deuxième dans le même trou, hein, vous voyez, deux, la suivante pareil, deux suivantes, une et deux, la suivante et de deux, suivant, hop là, une et la deuxième, et vous continuez jusqu'au bout là, ici, jusqu'à la dernière, et vous devez en avoir au total 18, donc vous calculez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Voilà, on se retrouve à la fin. Donc nous voilà à la fin du rang. Donc nous avons nos 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Voilà, nos 18. Nous allons faire une maille coulée dans la première. Hop. Comme tout à l'heure. Voilà, nous avons fini le deuxième rang. Pour le rang numéro 3, on fait déjà une maille en l'air. Et là, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va sauter une maille. Donc, c'est-à-dire une double bride qu'on a fait tout à l'heure. Et là, on va faire une maille serrée. Donc, on pique dedans. On va chercher son fil. On ramène. On a deux boucles. On va chercher son fil. Et on passe à travers les deux boucles. Voilà une maille serrée. Maintenant, on fait encore 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4, et là on va sauter une maille et pareil, hop, on fait une autre maille serrée, encore 4, 1, 2, 3 et 4, on saute une maille, hop, et on fait une maille serrée, voilà, 2, 3, 4, on saute une maille. Une, deux, trois et quatre. On saute une maille. On fait notre maille serrée. Voilà. Donc on continue. On en fait quatre. Une, deux, trois, quatre. On saute une maille. Une, deux, trois, quatre. On saute une maille. Une, deux, trois, quatre. On saute une maille. Une, deux, trois, quatre. Et on saute une maille. Il en reste une. Voilà. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Vous devez toujours avoir neuf petits cercles, on va dire comme ça, qui dépassent tout le temps. Donc après, on va faire deux mailles serrées là, le long. Donc vous venez piquer dans la première des deux, ici. On va faire une maille coulée. Hop. Et une deuxième maille coulée dans la deuxième. Il doit vous rester deux brides. Hop là, une, deux. On vous en fait trois mailles coulées. Je suis trompée. Une, deux, voilà. Ça, c'est la troisième. Donc, on se retrouve au milieu de notre premier cercle. Donc, là, on va faire quatre mailles en l'air. Une, deux, trois et quatre. On vient faire la maille serrée au milieu du cercle ici, puis qui à travers, vous allez chercher votre fil, vous faites votre maille serrée, voilà, et là on va marquer comme je vous disais tout à l'heure pour se dire que le démarrage il est là, voilà, ici, calculez, 1, 2, 3, 4, c'est ici,
Voilà. Juste le marquer comme ça pour pas perdre le démarrage, mais de toute façon on va le retrouver et on fait ainsi de suite. Donc vous devez toujours en avoir 9 cercles à chaque fin de rang. 4 mailles en l'air, on passe sur l'autre à côté. 1, 2, 3 et 4. On passe sur l'autre à côté. 1, 2, 3 et 4. Hop. 1, 2, 3 et 4. Une, deux, trois et quatre. Une, deux, trois et quatre. Une, deux, trois et quatre. Voilà, donc là la dernière. Donc là on va en faire 4 et on va tomber ici, au milieu là, n'oubliez pas. 1, 2, 3 et 4. On enlève notre crochet et on va se retrouver ici. Et on revient sur ici. Fera notre 9e. Alors là on fait une maille coulée, hein. Ce sera plus simple. Hop là, voilà notre 9e. Moi bon, j'aurais dû passer autrement. Hop, je reprends. J'ai mal pris. Donc là on a nos 4, 1, 2, 3, 4 et il faut la planter ici. Il faut bien passer à travers. Voilà. Voilà. On a nos 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc là on refait 2 mailles coulées. Une et deux pour redémarrer au milieu. Donc je reprends. Donc là on fait encore nos 2 mailles coulées pour arriver jusqu'en haut. Une et deux. Et là on fait nos 4 mailles en l'air. Une, deux, trois et quatre. Et on va piquer à côté. Une, deux, trois et quatre et on va à côté. Donc on continue comme ça et on se retrouve bien sûr au démarrage du cercle. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on a la fin, donc on arrive à la fin. Là on va faire une, deux, trois et quatre. Et là au lieu de repiquer là, on va les piquer dans celle du démarrage. On enlève le marqueur, donc la première boucle, on met ici au milieu et là on fait notre maille serrée. Voilà, là on met notre marqueur pour dire que c'est le début du rang. Voilà, donc voilà, vous voyez la base commence à monter petit à petit. Donc ça, ça va être tout le long. Donc maintenant on est reparti. 1, 2, 3 et 4. On fait notre maille serrée toujours dans le cercle suivant. 1, 2, 3 et 4. Idem. Une, deux, trois et quatre. Une, deux, trois, quatre.
et vous continuez comme ça tout le long. On se retrouve à la fin du rang. Donc on est à la fin du rang. Donc on enlève notre marqueur et là on a la fin. Donc on fait les 4, 2, 3 et 4. Et on passe à côté. Vous voyez, on va pouvoir monter tranquillement sans se soucier du démarrage. Mais moi je préfère le marquer. C'est comme ça on s'arrête au bon moment. Donc voilà. Maintenant vous allez continuer tous les rangs comme ça. Sur 21 rangs ou moins, ça dépend de votre bouteille. Donc vous continuez tout le long comme ça. La maille serrée. 1, 2, 3, 4. La maille serrée. 1, 2, 3 et 4. La maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Maille serrée, idem, 2, 3 et 4. Vous voyez, toujours un cercle du suivant. Donc vous continuez comme ça, je finis le rang avec vous et après on se retrouvera à la hauteur voulue. Voilà, 1, 2, 3 et 4. J'arrive à la fin du rang. Ça me permet de savoir où c'est que j'en suis. 1, 2, 3 et 4. Hop là, j'entame mon nouvel rang. Voilà. Donc je marque. À chaque fois je finis mon rang et j'entame le nouveau, je marque, voilà. Donc vous continuez comme ça tout le long jusqu'à la longueur que vous désirez de la bouteille. Donc soit vous testez sur la bouteille directement si vous l'avez, ou si vous n'avez pas, vous prenez voilà, voilà combien j'ai fait de rang là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous prévez un rang, donc à vous de choisir la longueur que vous voulez. Allez, on se retrouve, moi je vais en faire 20 à peu près et on se retrouve au 20e. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait toute la longueur que je voulais selon la bouteille. Donc sur la bouteille hein, vous voyez, jusqu'en haut de du bouchon. Donc voilà, et maintenant on va faire le tour du filet pour maintenir le filet et faire la poignée. Donc ça je le laisse pour le moment. Donc j'ai fini par 4 mailles en l'air, 4 mailles en l'air et une maille serrée. Hop, 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 hop. Hop là. Et maintenant on va faire le tour. Donc là on va faire tout le tour des mailles serrées. Donc là on a la moitié, donc on va en faire. On a déjà fait une. On va en faire une deuxième. Donc vous repérez ça, vous savez que c'est la première, un petit repère, hop, et on y va. On va faire des mailles serrées tout le long. Donc on en fait une autre et là dans le trou ici vous en faites une et on est parti pour faire 4 mailles serrées dans le cercle. Donc 1, 2, 3 et 4. On en fait une dans le trou là que vous voyez. Tout le temps, ça veut dire. Et là on est reparti pour faire 4 dans le cercle. 1, 2, 3 et 4. Dans le trou là on en fait une, toujours des mailles serrées à côté. 1, 2,
3 et 4 dans le trou. Et vous continuez tout le long, on se retrouve à la fin. Donc là, on arrive à la fin du rang. On enlève le marqueur. On a fait les 4 mailles serrées. Et là, dans celle-ci, on va faire la dernière. Hop, voilà. Et on refait un rang. Donc vous reprenez chaque maille serrée que vous avez fait au rang précédent. Vous en refaites une dedans. Et on fait le marquage. Voilà. On est reparti pour un tout. Continuons, on se retrouve à la fin. Ben, nous sommes à la fin du rang, donc on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On tourne. Et là, on va faire des demi-brides. Une maille en l'air, on tourne. Demi-bride dans les trous. Et on tourne. Et vous faites ça toute la longueur que vous voulez pour l'anse. Celle-là, elle n'a pas envie. Toujours une maille à la fin du rang, vous tournez et vous continuez la longueur que vous voulez. Allez, à tout à l'heure. Donc là, j'ai fini l'anse à la hauteur que je voulais. Donc on va positionner bien l'une en face de l'autre. On équilibre bien, à peu près. Puis là, on va faire raccorder. Donc on pique en face, on prend son fil, on ramène, on passe à travers et on fait maille serrée, on passe à travers, on passe dans l'autre en face et on fait maille serrée, on pique, on passe à travers. Et on fait une maille serrée. Et à la dernière, pareil. Pique. On passe à travers. Et on finit. Et voilà. Et là, on finit. On coupe la ficelle. On tire. Et voilà. C'est fini. Donc voilà. Sur ce, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une bonne semaine.